Riche, Pécoco. Eh ben, on a fini de souffrir. J'allais le dire, Jeff. C'est vrai, vous avez fini de souffrir. Mais pour un bout de temps. Je m'en occupe. Arrête-toi! Là, autre chose. Je vois que vous n'avez pas mis de fleurs dans vos pistolets. J'en mettrai une sur votre tombe. On enlève les ceinturons.
et on se manie un peu. Eh bien voilà, c'est bien. Et maintenant on se retourne. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Puis-je passer? Tu peux même trépasser. Fais marche arrière. Permettez-moi alors de vous aider. Si tu as les oreilles fragiles, il vaut mieux t'éloigner. Il va y avoir du bruit. Et mieux vaut pétard que jamais. Bon, maintenant fini les plaisanteries. On va vraiment rigoler avec. Merci. Prévenez-vous de mettre quelques couverts en moins. Ah ben ça leur fera des économies, vous savez, la vie est tellement chère. Merci. Ah mais il n'y a vraiment pas de quoi. Sur ce chariot, il y a un moribond qui, je crois, vous intéressera quelque peu. Et qui est-ce? Ah, je sais quasiment rien, j'ai rien vu, rien du tout. Francis Fitzgerald Cross l'a recueilli dans cet état piteux au détour de la route. Mais il doit s'agir du convoyeur de l'or. Oui, mais où est donc ce Francis Fitzgerald Cross? Ah, c'est moi. De père inconnu et de mère bien trop connue, elle s'appelait, enfin, on l'appelait la bouche à la reine de l'Ouest. Mouah. Oh. Alors c'est toi le convoyeur de l'or? Oui. Et toi, tu es qui? Little Rita. Little Rita? La célèbre flingueuse de l'Ouest? C'est ça. Tu vois, je crois que je vais mourir. Oh. Toi, vison acide. Nick, petite Rita. Je te revois avec plaisir, grande petite Rita. Et moi, je te revois avec grand plaisir, douce pupille du ciel, fille du grand chef bison acide. Pendant 3 jours et 3 nuits entières, j'ai été inquiet pour toi. Pendant 3 nuits entières et 3 jours, j'ai prié notre Dieu. J'ai appris que tu as été molesté par 100 bandits. Oh, 8. Ah, mais je sais que tous les 8 sont capoutes. Alles quick, kaput. Ah, very good, darling. Very good. Je ramène un beau butin, chef. 2 caisses pleines d'or. 2 caisses. Et où sont-elles? Là, sur le chariot.
Mais qui est-il? Il se nomme Francis Fitzgerald Cross, mon assistant. Et... très honoré de vous connaître, Sir Francis. Salut. Où sont les caisses d'or, je vous prie? Ici. Dieu, quelle horreur. L'or est un métal ignoble. Vous êtes d'accord, Sir Francis? Cher bison acide, je trouve que vous lancez le bouchon un peu loin. Les ors se suivent et se ressemblent pas. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Tu peux. Une autre partie du vil métal a été arrachée à la spéculation cruelle des hommes. Et ce jour n'est pas loin où la petite Rita prendra et détruira pour toujours ce maudit minéral qui n'est que la fiente des viscères terrestres. Ce jour-là seulement, la paix reviendra. C'est à la prochaine lune que nous détruirons enfin tout cet or que nous avons récupéré en tant d'années. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'il manque encore celui de Ringo et de Django. Ils te tueront, Rita. Leurs pistolets hurlent comme des hyènes. Ils tirent plus vite que le vent. Ils sont nombreux, tous ceux qui ont tenté de les mettre à mort. Maintenant, leurs corps pourrissent dans les cimetières de l'Ouest. J'ai peur que tu ailles au-devant de dangers trop grands pour toi, et cela rend mon cœur douloureux. Mais comprends que s'il reste simplement une once d'or, tous mes efforts auront été inutiles. As-tu pensé que d'autres hommes pourront en découvrir, et subséquemment feront la guerre, car l'or rend les hommes fous, totalement fous. Détruire cet or-là, d'autres que moi s'en chargeront. Qui seront ces autres? Tous ceux qui, après moi, pourront agir et penser comme moi. Souviens-toi, petite, que ton destin est marqué, que dis-je marqué, tracé. La nuit où tu verras une étoile rouge briller au ciel, tu retourneras dans le néant, car du néant tu es venue. Tu n'es que femme, petite Rita, une belle légende, et rien de plus. Bon, ben c'est pas tout ça. Mais elle est vide. Avec ma gratitude, Ringo. Oh, regarde-moi ça. Quel magnifique spectacle, ce troupeau de buffles. Oui, seulement ce sont des vaches petites. Quatre génisses faméliques et un cheval sauvage. Enfin, tu sais, c'est un film à petit budget, hein. Il faut voir. Ah, il y a du monde. Salut, brave Jean. Salut, monsieur. Je m'appelle Trinita. Ah. Je vais vendre tout mon bétail à la ville. Savez-vous si dans le secteur, il existe un point d'eau? À 2000 d'ici. Mais d'où viens-tu? De très, très loin. Ah. Et où vas-tu?
encore plus loin. Ah, oh, bah, tout ça est très clair, oui. Bon voyage. Ça, j'ai vu, oui. Oh, il t'a pas quitté des yeux. Oh, et toi, tu faisais la pimpèche. Je suis heureuse. Quand j'ai envie de pleurer. Ne te gêne pas pour moi. Oh, il est beau, oui. Oh, il est vraiment très beau. Oh, oh mon Dieu, qu'il est beau. Je suis heureuse, grande. Je suis heureuse. Toutes pareilles, les femmes, toutes pareilles. Ah bon sang, il suffit d'un regard et pchut, elle reste comme foudroyée. Il me plaît, grande, il me plaît. Et bonne femme, je comprendrai jamais, moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Muchacho, Emilio, prenez-le. On s'occupera de la fille après. Hé, hey, ça va pas. Hey, mais laissez-moi finir mon 4 heures, là. Mais là, chez moi. Oh. Vamos ahora. T'es décidé à parler? Non. Hombre! Quand ils entendent la voix de leur maître, ils se mettent à faire la fête et à danser. Ah. Alors, gringo, tu veux parler ou non? Laisse tout au sol. Hein? Bon? Bon. Et alors, tu t'es enfin décidé? Oui, je me suis décidé. Tu diras la vérité? Oui. Je sais que l'or vous les portez toujours au camp du chef Bison Acide et que vous le cachez dans une caverne. Dis-moi comment on y entre secrètement et vous aurez tous les deux la vie sauve. Merci. Je pensais que tu auras terminé de boire cette bonne gourde. Si tu n'as pas parlé à l'ours, avec un fer rouge, je te signerai une autographe sur la figure. Mais tu sais même pas écrire. Oh, connard! Allez, parle! Est-ce que tu vois le campement indien? Si. Sur la colline, il y a une caverne. Je sais. Et devant, il y a une porte. Ouverte? La porte s'ouvre grâce à une formule magique. Une formule magique, tu dis? Chitawawa. Chitawawa, c'est magique, ça? Et puis dedans, il y a l'or. L'or de Sancho. Et
¡Arriba, Sancho! Et tu me disais donc, il y a une caverne, et puis il y a une porte. Et puis il faut dire une formule ma magique, chita wa 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 wa. Voilà. Et après, eh bien, il y a l'or, quoi. Il y a l'or. L'or de Sancho. Viva Sancho! Champignons. Vite, ils font leur numéro. Toujours, le village est désert. La prochaine fois, bonhomme, change-moi le disque. Ce sera fait, señor. Muchas gracias, señor. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? D'où je suis parti, tardi. Mais dans ton pistolet. Dans ce village, il est quasiment interdit d'avoir un pistolet. Pour autre cinglerie, tous les mêmes. Chaque fois la même chose. Quand je veux les désarmer, ils me font un sourire idiot, comme le tien. Pardonne-moi, étranger, mais
Je suis la loi, tu comprends, et ici personne n'obéit. Alors parfois il m'arrive de penser que je me suis fourvoyé, tu comprends? Et quand je pense, ça me rend nerveux, tu vois, tout nerveux là-dedans, alors tu vois, alors ça pète, tu comprends? Où se trouve Zogo? Zoki? Qui est Zogo? Où il est? Ah, serait-ce pas par hasard celui qui joue au saloon? Mais il est quatre, et ils sont armés, étrangers. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Devine. Tu veux le tuer à midi juste? À midi juste. Eh ben, mon vieux, t'es en avance. Il est moins cinq. Je me nomme Ringo. Je suis toujours à l'heure, comme le train. Ringo? Le super hyper tueur? Je reviens tout de suite. Zogo, j'ai à te parler d'une chose grave. Ouais, commençons, les gars, tout de suite. Mais... Il y a toujours une pièce qui reste. Mais c'est forcé, c'est un chiffre impair. C'était... Zogo, viens, maman, dehors. Ferme un peu, oui. Allez, on remet ça avec toi. Et il en reste toujours une. Je suis le chef, alors je me la prends. Hé, les gars, pour une piécette. Ben, avec ce dollar qui nous reste, nous payons un bon coup à tout le monde. C'est justement ce que je voulais te dire. Ah, Ringo, tu fais trop de bruit, j'ai les nerfs en tapis. Midi juste et ponctuel. Ben alors je vais faire monter les cercueils. Qu'est-ce que tu veux, Ringo? L'or qu'on a volé ensemble. La moitié. Nous avons décidé de le garder pour nous. C'est mal, Zogo. Très, très mal. Confucius disait toujours, faites pas les cons, rendez mon or. Les gourous disent toujours, si tu trouves plus con que toi, lui dis pas. Fais ta prière, Zogo. Pour moi? Pour toi. Gâche pas ton souffle, Zogo. Pareil. Yeah.
boire que dalle, pas d'alcool. Lait ou Coca-Cola. Faut choisir. Je veux un whisky. Faut pas trop me les gonfler, j'ai un pantalon trop juste. J'aime pas bien me répéter, tu vois ce que je veux dire? Et celui-là, tu l'as vu, vieille peau? Dernière fois que tu te fous de moi, ça c'était pas du whisky. Ça me plaît pas, ça. Mon docteur m'a recommandé d'essayer d'éviter ce genre d'endroit un peu trop pollué. Va voir le shérif et dis-lui qu'il en manque une. Une quoi? Une bière. Pour Ringo. Shérif, je vous donne un conseil très sage. Le seul sage ici, c'est moi. Enfin, si tu veux faire partie du club. Prépare une autre bière. Ah, mais si tu te sens mal, pourrais-tu pas rester chez toi, mon ami? Ah, mais c'est pas pour moi. Oui, c'est pour qui? Lui. Ringo? Mais il me semble en parfaite santé, Ringo. Comme disait Trotsky, on peut mourir de trop de santé. Tu veux dire qu'on va le tuer? Qui? Et qui? Salut, chérie. Si ton petit neveu a sommeil, mets-le au lit et chante-lui la pêche aux moules. Salut, Ringo. Qu'est-ce que tu cherches, mon petit bonhomme? L'or que tu as pris, Ringo. Il y en a un autre qui est venu le chercher avant toi. Et sa femme est veuve. T'en fais pas chez célibataire. Thank you.
Donne la suite. Tout ce que j'ai fait dans ma chienne de vie, je l'ai fait pour une poignée de dollars. Et moi, je suis certaine que tu l'as fait pour quelques dollars de plus. Oh là, mais ça va pas, non ? Cross, mets l'argent en sûreté. Oui. Mais le film n'est pas terminé. Ah oui? Non, le film n'est pas terminé pour moi. Debout, Ringo. Pour marcher, c'est plus pratique. Allez, file! Ça t'apprend, marche, lapin. T'as pas honte à l'égo. Ouais. Allez! Un grand gaillard comme toi s'attaque à une petite fille. Quoi? On verra, ma petite. Si tu es là de vivre, comme disait Leda, fais-moi signe, l'ami. Il a un pistolet à longue portée, il ne nous reste plus qu'à prier. À combien de mètres sommes-nous de lui? 70. Avec cette pilule, on va résoudre son problème. C'est homéopathique.
au grand chef Bison Acide. Hugues, petite Rita, comment vas-tu? Pas mal, merci. J'ai eu une controverse avec Ringo, mais finalement, il a décidé de me rendre l'or. Cela a dû être difficile et délicat. Ce fut un jeu d'enfant. À cette heure, Ringo est sur un nuage, en compagnie des anges du ciel. Tu es machiavélique. Que dis-je? Tu es un archange diabolique. Chef! Oui, mon ami, je t'en prie, parle, je t'écoute. Chef! Oui, mon ami. On a volé... Oui, mon ami. On a volé... Quoi donc? Lors de la diligence. Le voleur, c'est... Django. Django? Nous allons régler nos comptes. Où est-il? Tu devrais savoir que Django est un fossoyeur nomade. Il chemine toujours, d'après ce que j'ai lu dans la dernière édition du Petit Sioux Libéré. Il erre dans les collines. Va pour les collines. Sois très prudente, petite Rita. Ne vous en faites pas, Acide. Je vais, je tire et je reviens. Salut. Dis-moi, étranger, est-ce que c'est le chemin de Tucson? Si tu cherches une tombe, tu peux te la creuser ici. Tu es vraiment très spirituel, sûr. Et toi, tu te crois rigolo avec ton cercueil? Eh bien, si tu n'aimes pas les cercueils, je te ferai monter une bière. Pas en bouteille, à la pression. Tu parles trop, mon pote. Oh, la pression! Ôte-toi de là. Laisse-moi passer. Et sans ça? Me provoque pas, petit gars. J'ai pas de temps à perdre. C'est moi, Little Rita. Et moi, je suis Django. Ça te sert de leçon. Oh, oh là, oh là, oh, oh là, oh là, oh là, oh là. Ne bouge plus, Django. On a bien raison de dire que toi, t'es la plus grande emmerdeuse de tout l'Ouest. Allez, lève-toi. Tu sais ce que je veux? L'or. L'or qui se trouvait dans la diligence. Cet or, les Mexicains me l'ont fait payer trop cher. Comment les Mexicains? Regarde mes mains. C'était des gants tout neufs, ils en ont fait des mitaines. Je veux l'or. Va-t'en. Le film n'est pas fini. Un de tes collègues m'a dit la même chose. Ça lui a pas bien réussi. Pas bien du tout. Va-t'en. Thank you.
Qui c'est ça? Ah, c'est une mitrailleuse. Ah bon, je croyais que c'était quelqu'un de sa famille. Allez, emportons cet or. Et où est-ce qu'on va le mettre? Dans les besaces. Tu as été imprudent. Il ne te reste plus aucune balle. Ah, je comprends ton courage. Il ne tient qu'à ce gilet, c'est sûr. Si tu le veux, je l'enlève. J'ai plus de balles. Merci, Rita. Retourne-toi. J'ai pas l'air, mais je suis une femme. Pas dû faire ça, Django. Ça me contrarie beaucoup. Bobo Ventro, petite Rita, dis, fais-moi mourir à l'américaine, je t'en prie. À l'américaine? Mais c'est comment? Je veux te raconter toute ma vie. Oh, mais c'est que j'ai pas que ça à faire, moi. Mais les Indiens et les Japonais meurent tout de suite. Mais moi, je suis un pistolero, un célèbre pistolero, j'ai droit à 2 minutes 35 d'agonie. C'est sur mon contrat. Non, ça va, parle. Oh, t'es gentil, toi. Ben voilà. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mon colt à tous les passants. Salut à toi, bison acide. Hic, petite Rita, bienvenue à toi. J'ai appris que tu as créé quelque ennui à Sir Django. Je lui ai donné le privilège d'inaugurer un nouveau cimetière. Est-ce là ton prisonnier? Non, un ami très cher. Il m'a sauvé d'une mort certaine. Il s'appelle Trinita. Happy to see you. Les amis de Rita sont certes les amis de Bison Acide. Vous serez notre hôte. Mon grand chef, merci beaucoup. Vous aimez l'or? Non. Bravo. Alors vous nous aiderez à le détruire. N'est-il pas vrai? Si.
Bravo. Mesdames, messieurs, chers concitoyens, notre amie Sœur Trinita se joint à nous. Et ensemble, main dans la main, nous entasserons l'or maudit dans notre caverne. Et nous le détruirons pour le plus grand bien de l'humanité. Ce n'est pas sans un serment de jeu. Pourquoi tu vas pas dormir? J'ai pas envie. Ça va pas? Mais si, parfaitement bien. Oh. Hey, dis-moi la vérité. Tu es amoureuse, toi? Mais oui, c'est vrai, je dois l'avouer. Je suis amoureuse. Attention, petite, je ne connais pas bien les femmes, mais comme disait le poète, l'amour est une balle qui entre dans le cœur et qui finit dans la tête, et si tu ne la sors pas, eh ben elle finit toujours par exploser. Voilà, voilà. Toi. Oh. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Trinita n'est qu'une vulgaire charogne. Il a essayé de voler l'or de la caverne. L'or? Mais les Indiens l'ont découvert et ils vont le scalper, quoi. Oh, mon petit salopard, où est-ce qu'il se trouve? Dehors avec Bison Acide. Non, eh bien, allons-y. J'aurais pas dû faire ça. Et pourquoi? Du calme, petite. Notre ami va payer pour sa faute. Certes, je n'oublie pas que vous avez sauvé la vie de Rita. Et c'est pour ça que je vous accorde une grâce, Sœur Trinita. Celle d'être remis au visage pâle, dont un tribunal vous jugera. Si vous êtes reconnu innocent, vous serez libre. Par contre, si vous êtes coupable, je vous scalperai. Votre honneur, le prévenu ici présent, oui, c'est vrai, a essayé de détourner un peu d'or, mais qui n'a jamais eu une semblable tentation? Silence! Votre honneur, j'en
rappelle de toute ma conscience à cette cour et à celle de ce noble jury ici présent. Madame Germaine. Oh, Madame Germaine. Prévenue. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, votre honneur. Je suis coupable. Oh. Il faut tout en l'air. Écoutons donc le verdict, messieurs les jurés. Vous êtes sourd, votre honneur. N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit ce voyou d'accusé? Il est coupable. Il est donc coupable. Oui, accusé, Trinita, puisque vous êtes coupable, nous vous condamnons à être pendu. Silence! Licence, je veux dire sans liste, madame. Silence! Puisque le crime a été commis en territoire étranger, en fait dans un camp indien, le prévenu sera extradé et cela pour que la sentence soit appliquée. Les visages pâles me font l'honneur de faire exécuter une sentence de mort. Je le ferai selon la tradition de mon peuple. Passer. Nous avons plusieurs méthodes. Le dépeçage, exposé au soleil suspendu à une corde, empalé de justice, ou bien peut-être becqueté. Qu'est-ce que ça veut dire, becqueté? Prenez un vase rempli de fourmis rouges, ensuite préparez le patient. Plantez-le jusqu'au cou et recouvrez soigneusement la tête avec le vase. La parole est alors aux fourmis rouges. La parole. Façon de dire. Puis-je choisir? Sorry, Sœur Trinita. Très désolé. Mais la décision m'appartient. Une œuvre est pour vous. Nos petites fourmis ont faim. Et fourmis rouges, eh ben. Tuer or not to be. That is le problème. Grand chef, il faut que je te parle. Au nom de l'affection qui nous lie, je te conjure de lui sauver la vie. Je te le demande. Petite Rita, maintenant tu ne veux plus qu'il meure. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Bison Acide, je t'en prie, ne pose pas de questions. C'est une affaire personnelle. Ah, comme disait œil de Pogna, vie privée, vie sacrée. Pour ma part, je passe et je dis parole. Ta requête est acceptée. Trinita aura la vie sauve. Libérez-le.
les enfants? Vous cherchez quelque chose? Idiot, va-t'en de là. Je suis Sancho les Mexicains. Je viens dévaliser la banque. Allez, va! Mais ne criez pas aussi fort, ça me fait mal. Je suis d'un tempérament nerveux. Alors, par pitié, ne criez pas. Ne criez pas, faites ce que vous désirez, mais ne criez pas! Bouge-toi! Salut, chérie. Bonjour. Donne-moi quelque chose à boire. Ah, il n'y a plus rien. Je regrette beaucoup. Non, bon sang, si tu commences à m'énerver, toi aussi, on n'a pas fini. Allez, donne-moi un coup à boire. Les deux dernières bouteilles, c'est ce mec qui les a bu. Qui ça? Oh, ben, c'est Trinita. Oh, eh ben, Trini, est-ce qu'on ne devrait pas être mort alors qu'il est? Elle m'a sauvé la vie. Comme disait Monseigneur Dupont-Loup, une vie de sauvée, 10 de perdu. Très drôle. Oui, elle m'a sauvé la vie. Et qui, elle? Little Rita. Ah, très bien, colonel, fond sur poule, ça bosse. Je comprends pas très bien, il y a un truc qu'il faut que tu me dises. Dis-moi, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Comme disait Lénine, dans la vie, faut pas s'en faire. Si je comprends, tu es amoureux de cette petite peste. Excuse-moi, je ne voulais pas t'offenser, hein? Je ne voulais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le salaud de Sancho, tous les mois, il vient nous voir, il dévalise la banque. Il vient et puis il s'en va. Prépare les bières, shérif. Monsieur Trinita, alors tu es un super champion. Oh, j'aurais pas fait une chose pareille, moi. Non, même livre mort. Ah, tu es riche maintenant, hein? La prime est à toi, alors je vais te faire une proposition. Pourquoi tu resterais pas avec nous, hein? Bravo! Il a été formidable. Nous te voulons comme gouverneur. Oui, comme gouverneur. Joseph, je ne veux pas te tromper. Ça n'est pas moi, c'est lui qui a fait ça. Lui? Oh! C'est extraordinaire, vous êtes un héros et vous méritez une récompense. Je suis un condamné à mort. Et qui est l'abruti qui a pu condamner à mort un homme comme vous? Joseph, c'est toi. Ah, c'est vrai. Excusez-moi sur Trinita, je ne vous avais pas reconnu. Non, en fait, tout cela, c'est du passé. On oublie tout et on recommence. Messieurs, je propose qu'il soit nommé shérif. Non, j'ai été condamné. Et je dois mourir. Les Indiens n'ont pas exécuté la sentence. C'est à vous de le faire. Mais faites vite. Et pas plus tard que demain, avant que le jour ne pointe. Mais
le moment, nous vous mettons en prison et après, et on verra. Eh ben alors, donnez-moi la main, Tritri. Il y a 30 tonnes de dynamite ici et 30 pièces d'explosifs par-dessus. Quel pétard! Et voilà. Et c'est ça. Et oh, mollo, mollo. Allez. Allez. Mon service d'information communique que Trinita a accompli un acte héroïque. Il a refroidi le Sancho et il a sauvé l'argent de la banque des visages pâles. Épatant ce petit gars. C'est un brave petit bonhomme, je trouve. Et dans le fond, vous voulez que je vous dise, je l'aime bien ce berger. Francis, on dit cow-boy dans les westerns. Oh, excuse-moi, petite. Et je te prie de ne plus m'appeler petite. Oh bon. On m'a rapporté, pourtant ce n'est pas beau de rapporter. On voulait le nommer shérif, il a refusé vu qu'il était condamné à mort, et il a même exprimé le désir de mourir, pendu demain à l'aube. Quel crétin. Il me semble que tu as couru. Il t'est dépêché, hein? Où se trouve Trinita? J'imaginais bien que tu viendrais. Il est là, il roupille dans sa cellule. Je ne veux pas qu'il meure. Il vous a débarrassé de Ringo et de Django. Alors puis-je au moins espérer une preuve de votre reconnaissance? Ah, ça dépend pas de moi. C'est lui qui veut mourir. Et vous allez l'en empêcher? Moi? Et comment faire? C'est impossible. C'est la sentence du tribunal, hein? Il a prouvé qu'il était un homme honnête et loyal. D'accord, mais... Alors il doit vivre. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire, hein, petite? Cette nuit, nous ferons sauter la montagne. Oh, et tout l'or qui est dedans? Mais c'est un vrai crime. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Après, je sais qu'il y a une fête au village. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous avons invité Bison Acide. Eh ben, t'as qu'à venir toi aussi. D'accord, je viendrai peut-être. Et pendant que se déroulera la fête, oui, nous viendrons libérer Trinita. Il faudra que tu le fasses boire. Tu le mettras sur un cheval et faut être coché. Non, t'es trop fantaisiste. C'est trop dur de faire boire un cheval. Très bien, petit shérif miteux. Mais crois-moi, tu vas le regretter. Un moment. Salut, Little Rita. Tu m'avais pas dit qu'il était en prison? Ça doit être un externe surveillé. Maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Externe. Monsieur, dame.
Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi? Tu te souviens, un jour, tu m'as sauvé la vie. Toi aussi, match nul. Mais ça fera la seconde fois. Écoute-moi, je t'en prie. C'est le dernier service que je te demande. J'ai essayé de voler l'or et je l'ai fait parce que j'étais convaincu que voler et tuer étaient les seules lois de l'Ouest. Maintenant, je sais que je me suis trompé. C'est toi qui me l'as fait comprendre. Il y a des choses plus importantes que l'or. Peut-être qu'on ne se reverra plus. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Le jour est arrivé. La nuit. Merci. Le moment est arrivé de restituer à la Terre l'or. En effet, dans quelques instants, ça va faire boum, l'or disparaîtra dans les profondeurs de la Terre. Cet or, maudit, coupable de tant de maux et de tant de crimes. Que des lauriers soient dressés sur la tête de Rita, qui nous a permis de réaliser cette grande œuvre, ce grand rêve. Que les dieux protègent sa vie et celle de nos frères. Sir Francis, à vous la parole. Avec plaisir. Alors, comme un Cap Canaveral, Harbour, alors 9, 9 et 1, non, 9 moins 1, 8, alors là, j'en suis au moins 5, là, oh, j'ai perdu du temps, non, ben alors, je sais où je suis, là, faites attention quand même, mais ça va pas tarder, en principe, hein, d'après tout, maintenant, sur la logique, ça se fait perdre maintenant. Eh ben alors, pourquoi tu viens pas au salon? Je crois comprendre que mon destin va prendre fin. Lorsqu'une nuit tu verras une étoile rouge briller dans le ciel, alors cette nuit-là tu nous quitteras. Oui, Bison, tu me l'as déjà dit. Prépare tes bagages. Et laisse-moi finir, je disais donc, tu n'es qu'une légende, petite Rita, une belle, une merveilleuse légende. J'en suis vraiment navré pour toi. Et comme disait mon oncle Condor de Bouc, quand faut y aller, faut y aller. Je te fais un bisou, mon bisou.